Le désert d'Atacama au Chili est l'un des endroits les plus secs au monde et l'un des plus riches en minerais de cuivre de la planète. Ici, à Minera Spence, la société BHP Billiton a développé une mine qui est un modèle de fonctionnement, un exemple pour toute autre mine moderne. Dans cet atelier d'entretien dernier cri, des camions de roulage énormes sont vérifiés systématiquement pour assurer au maximum la sécurité des travailleurs et le rendement de la mine. À l'arrivée de chaque équipe de travailleurs, Aixia Rojas grimpe les deux étages qui la conduisent à son bureau. C'est une opératrice certifiée de camions de roulage, née et élevée dans le village voisin de Sierra Gorda. Elle est un membre hautement qualifié de l'équipe chargée de faire fonctionner la mine. Son travail consiste à manœuvrer son camion de 240 tonnes dans le puits de mine à ciel ouvert, où il est rempli de sa cargaison de minerais de cuivre. C'est le premier pas d'un voyage qui va transformer la roche en métaux utiles. Dès le début, notre vision fut la création d'une opération commerciale BHP Billiton, exceptionnelle et nette. L'idée de base incontournable est l'établissement d'un lieu de travail sûr. La sécurité est la base de tout travail. Les camions déversent leur cargaison dans un broyeur qui est relié au moulin et à la raffinerie. Là, le minerai est broyé en une poudre fine et le cuivre en est extrait. La salle de contrôle principale permet aux travailleurs de surveiller toute l'opération de raffinerie. Le cuivre dissous est recueilli, concentré et versé dans de longs bassins où il subit un processus de purification appelé extraction par voie électrolytique. Tonnes de cuivre sont produites chaque année dans cette mine perchée dans les montagnes des Andes, destinée au marché du monde entier, où il sera utilisé pour les circuits électriques, la tuyauterie, l'électronique et des milliers d'autres usages.